Alors, pour faire un petit apéritif sympa, vous pouvez prendre pour faire des petits gâteaux apéritifs, si on peut dire, une pâte feuilletée, une boîte de sardines, voilà. Voilà, j'en ai déjà écrasé, hein, que j'ai mis sur la pâte. Hein, donc, on va faire la deuxième boîte. Il faut deux boîtes à peu près. Et puis après, on va rouler la pâte et puis la poser sur le plateau avec du papier sulfurisé, coupé en morceaux. Alors, vous sortez les sardines, vous laissez l'huile dans la boîte, vous les écrasez bien, pour vraiment qu'elles soient bien bien écrasées, pas qu'il reste de petits morceaux, ou plutôt des gros morceaux. Les petits, c'est pas gênant, mais surtout des gros morceaux. Et puis après, on va l'étaler sur la pâte. Alors maintenant on a versé, on va bien bien étaler. Allez, un petit peu de travail, ça va se faire. Voilà, vous commencez par faire un petit rouleau. Et puis après, ben, vous continuez comme ça à le serrer jusqu'au bout. Voilà, une fois qu'il est bien roulé, alors coupez. En général, les pâtes sont rondes. Voilà. Hop, vous coupez un bout. Et puis après, vous continuez à couper par petites lamelles. Voilà ce que ça donne quand vous les coupez. On va les mettre sur la plaque et les faire cuire. Alors, coupez avec un couteau scie, tout doucement, parce que ça a tendance à s'écraser, hein. Donc en coupant vraiment, voilà, en y allant très très doucement. Voilà, il n'y a plus qu'à les mettre au four. Alors à faire cuire entre 5 à 10 minutes à surveiller, hein, thermostat 6, tout doucement, hein, il ne faut pas les brûler. Vous voyez, il en reste quand même pas mal, hein. On va déjà faire cuire cela. Et voilà, nos amuse-gueules sont prêts.